Bonjour, je suis Andrés Vincent et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Je vais vous montrer aujourd'hui en fait avec deux calques comment on peut rajouter du contraste, faire un dodge and burn différemment hein, puisque ça reste quand même dodge and burn. Donc on va partir de cette photo et on va essayer d'arriver à ce résultat là. Donc pour ceci on va jouer en fait sur le mode de fusion des calques. Donc on va commencer par dupliquer le calque d'arrière-plan et au lieu de lui appliquer une courbe par là, par cette méthode-là, nous allons aller dans Image, Réglage et Courbe et nous allons en fait assombrir l'image. Voilà, à peu près le même réglage que tout à l'heure et on fait OK. Là, sur cette image, on a travaillé de manière destructive, c'est-à-dire qu'on ne peut plus revenir sur le réglage. C'est un choix, c'est mon choix pour cette méthode-là. Une fois que vous en êtes là, vous allez me dire on peut jouer avec l'opacité, mais dans ces cas-là, on joue sur toute l'image. Et là, moi, le but va être de travailler sur certaines parties de l'image. Donc, on pourrait utiliser un masque de fusion, des tas d'autres choses, mais moi, je voudrais quelque chose de plus harmonieux. Donc, on va revenir sur le calque d'arrière-plan copie qu'on va renommer en sombre comme ceci et on va faire un double clic sur le masque, sur le calque pardon, pour pouvoir faire apparaître cette fenêtre là. Cette fenêtre va nous permettre de faire passer le calque d'en dessous au-dessus. Donc je le décale un peu pour que vous puissiez voir. Comme vous voyez, on va travailler sur cette partie là et vous voyez ce calque, donc c'est le calque que l'on voit et le calque d'en dessous. Donc le calque qui est celui-ci. Donc le but va être de faire monter le calque d'en dessous au-dessus en fait. Vous voyez qu'on a des curseurs. Vous voyez que les calques, le calque d'en dessous revient sur le calque du dessus. Là pour les tons clairs. Et là pour les tons sombres. On part des tons sombres et on va vers les plus clairs. Et là on part des plus clairs pour aller vers les plus sombres. Et si on prend le calque en dessous, vous voyez, hop, les transitions se font aussi dans le même sens. Donc le but maintenant va être de ramener le calque en dessous au-dessus. Donc nous allons jouer sur ces deux modes. Avec la, vous voyez le petit curseur là, avec la touche Alt, vous pouvez le séparer. Ce qui permet d'avoir un réglage beaucoup plus fin que si on prend le curseur dans la totalité, que si on le divise. Vous voyez, c'est beaucoup plus doux. Donc le but va être de ramener les tons clairs du calque d'en dessous sur cette image. Hop, on va augmenter. On peut aller aussi rechercher celui-là, vous voyez, hop, pour rejoindre les tons clairs. Pareil, et on trouve le bon réglage pour trouver un effet dodge and burn, comme je dis, pour que les deux images fusionnent correctement. On va passer sur le calque en dessous pour faire des réglages aussi. Hop. Pour que l'on soit le plus précis possible. Pour que les transitions se fassent bien en douceur. On peut bien sûr régler l'opacité. Si cela ne nous va pas, on peut aussi régler le mode de fusion. Éclaircir. Ou obscurcir. Là on va rester en mode normal et on va faire OK. Donc vous voyez que par rapport à l'image du départ, on a ramené du contraste, on a ramené le réglage du calque sombre sur cette photo. Alors je vais sélectionner que le calque pour vous montrer exactement ce qui s'est passé. Vous voyez, avec le mode de fusion, je n'ai conservé qu'une partie de l'image. Je peux d'ailleurs même y revenir dessus pour améliorer les transitions. Vous voyez, hop. Donc, si je travaille sur celui-là, sur le curseur d'éclair, j'améliore. Et sur là, sur les sombres, pareil. Le but est d'avoir la meilleure transition possible. Voilà, en fait, ce qu'il me reste. Un mode de fusion parfait et qui ramène du contraste tout en gardant les points lumineux que je désire sur l'image. Donc, l'idée était de vous montrer comment on peut ramener un calque, enfin fusionner deux calques. C'est-à-dire, on est parti du calque en dessous,
qui était un calque clair, et on l'a assombri avec ce calque au-dessus qui a été modifié avec l'outil courant. Ça peut être très pratique pour les incrustations, ça peut être très pratique pour plein de choses en fait de jouer avec. Et bien sûr, il suffit après de travailler l'opacité du calque pour harmoniser la différence. Vous voyez, entre 100% et 60%, on va même dire 70%, voilà, on obtient un effet sur l'image qui est correct. Vous voyez, au niveau de la peau, au niveau du bras, du visage, parfait pour un premier travail, je trouve ça très bien. Donc voilà, c'était un petit tuto pour vous expliquer les modes de fusion, comment ramener un calque, comment jouer avec les calques, avec les petits carrés que l'on voit des fois apparaître, que l'on fait apparaître une fois que l'on a retravaillé l'image, la possibilité de dissocier la petite pointe là avec le bouton Alt, voilà, et on obtient un résultat contrasté de Dodge and Burn assez rapidement en faisant deux petites manipulations. Voilà, c'était un petit tuto court, mais je trouvais important de vous signaler cette possibilité de travail en fait sur deux calques, en appliquant un réglage sur l'un et en le ramenant sur le calque d'en dessous, de pouvoir fusionner deux calques comme ça. Ça s'appelle les options de fusion. Donc on fusionne deux calques à certains endroits avec l'opacité et avec le fait de pouvoir faire apparaître ou disparaître le calque. Voilà, j'espère que ce petit tuto a été clair. N'hésitez pas à me poser des questions si vous souhaitez. Donc voilà, ce petit tuto se termine. Je vous demande de bien vouloir partager mes vidéos si vous le souhaitez, de faire un tour sur mon site, sur ma page Facebook, et surtout à vos tablettes, amusez-vous, à bientôt, au revoir.